Vanessa Paradis. Jean Rochefort. Parce que les gens adoraient, on en parle à l'imparfait, pardon, adoraient Jean Rochefort. Et c'est vrai que j'ai eu des tas de témoignages très chaleureux, très émouvants, très amicaux, mieux qu'amicaux, quand par exemple dans Le mari de la coiffeuse, il danse ses danses orientales extravagantes. Les gens l'ont adoré, comme je l'adorais moi-même. C'est vraiment quand je dis moteur. Le moment que je déteste, c'est quand je dis coupé. La rencontre décisive, c'est la rencontre avec le Splendide quand j'ai fait les bronzés, évidemment. J'aurais aimé rencontrer Groucho Marx. Ça m'aurait plu de serrer la main à François Truffaut. J'aurais aimé fumer le cigare avec Alfred Hitchcock. J'aurais aimé rencontrer les frères Cohen. Je l'ai fait, j'ai eu cette chance à Hollywood. Je suis allé leur dire que je les aimais. Ils m'ont dit d'accord et c'était tout. Un peu décevant. L'envie du cinéma, elle est liée à la nouvelle vague. C'est vrai que quand j'ai vu À bout de souffle, je me suis dit non pas je vais en faire autant, je peux en faire autant, mais d'un seul coup, le cinéma m'a semblé envisageable, possible. Ma prochaine actualité, c'est a priori, pour le printemps prochain, ce film qui sera le dernier film d'Alain Delon. C'est un film que je vais faire avec Alain Delon et Juliette Binoche. C'est pas très compliqué, en fait. Laissez-moi sur le cul. Un conseil, si vous vous endormez au bout de 30 secondes, vous risquez de pas voir la fin du film.